arrivé. Puisque aujourd'hui, c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est 7-7-2023, date qui a été sélectionnée pour voir convoler un juste noce de jeunes qui se sont choisis, qui se sont donnés. Et aujourd'hui, nous sommes à la rue 21 pour la grande cérémonie. Je ne sais pas si on est prêt pour nous faire assister à l'arrivée du cortège nuptial. Les filles d'honneur, les garçons d'honneur, les noms sont difficiles, bien sûr, je ne vais pas pouvoir les prononcer parce que je m'y connais un petit peu en des noms créoles, en des noms français. Mais pour ce qui a trait aux noms anglais, je ne pourrai pas les prononcer. Mais pour ne pas les prononcer mal, je ne vais plus les prononcer et je vais demander au cortège de s'avancer. Les noms faciles seront prononcés, les noms difficiles ne seront pas prononcés ce soir, parce que je ne voudrais pas apporter une mauvaise note à la grande cérémonie basée sur l'amour ce soir. On est prêt? Je ne sais pas si on est prêt, parce que je ne peux pas voir, mes regards ne peuvent pas percer la décoration, et c'est pour ça que j'ai du mal à voir si on est prêt. Aidez-moi s'il vous plaît, vous qui êtes à l'entrée de l'église, aidez-moi. Parce que c'est l'heure, et c'est plus que l'heure, de voir venir les membres du cortège. Je demanderai à celui qui a les touches magiques des sons s'il y a une musique qui a été préparée pour accompagner les membres du cortège dans cette chorégraphie bien spéciale et simple. Je voudrais vous demander de passer à l'action parce que l'heure est contre nous. D'honneur vont fouler la salle. Il y a porteur de Bible, Medwinski Kerly Joseph. Mettez-vous à l'action, s'il vous plaît. Nous n'avons plus de temps. Pour les meilleurs et les pires.
de s'exercer pour annoncer un grand événement de ce soir, un événement dans les couleurs de l'amour. Je vous invite à suivre avec beaucoup d'attention ce qui est en train de se faire pour annoncer l'événement de ce soir. Nous sommes tout juste à l'introduction du programme. On a déjà vu s'exercer un groupe de garçons et filles. Et maintenant, voici l'arrivée d'un autre groupe pour leurs différents. La solution à tous vos problèmes. À mon bébé, à ton mari, Jésus ta parole, nous aimons pendant sa vie, sa chair et peau. Comme ça, et on s'arrête ici. Et maintenant, les anges d'honneur s'amènent tout pour annoncer ce qui se fera ce soir, le grand événement, l'événement tant attendu. Béni soit l'Éternel tout. Regardez l'arrivée des anges d'honneur. Leur innocence, elle s'amène sur la terre au ciel. Oui. Personne ne peut me briser. Oh. Béni soit le dernier Dieu puissant. Les semeuses de pétales. Ce mariage s'est marié. Pour pouvoir s'avancer aussi. Une faveur de la c'est leur tour. L'annonciatrice numéro 1, Rose Hilda Joachim, qui trouve une femme jusqu'à présent. Trouve le bonheur. Continuez d'avancer, s'il vous plaît. Continuez. Elle apporte la joie des bénédictions et une couronne. L'annonciatrice, amen. Oh. Amen.
Marie, j'ai l'impression d'être en présence de roi et reine. Est-ce que c'est presse ou princesse? Je ne sais pas. Mais on voit venir des gens. Voilà maintenant l'arrivée du porteur de Bible. Celui qui se fait passer du porteur de Bible. On va apprécier l'arrivée des petits mariés. Les petits mariés. Et son Clairvirus et Willenzi Eugène. C'est le couple des petits mariés. Allez, aidez les petits mariés à s'avancer, s'il vous plaît. Toussaint, l'annonciatrice numéro 2, témoin.
âme, et ma chère enfant basse, respectivement, marraine et marraine. Aidez-moi à retrouver le parrain, s'il vous plaît. Pasteur Basile n'est pas encore arrivé. Pasteur Donald, je voudrais demander à Pasteur Samuel d'accompagner la marraine. Pasteur Samuel, s'il vous plaît, accompagnez la marraine en attendant l'arrivée de Pasteur Donald. Et le pasteur, notre pasteur. Pasteur Samuel, s'il vous plaît, accompagnez la marraine. Sa manche nuptiale. Merci, Pasteur Samuel. Ça fait bien que les grands comme admission et nous voyons venir l'annonciatrice. De me rendre un petit service, de mettre un petit peu
artisan va faire sa demande. Si ça marche, je vous l'annoncerai. Mais oui, ah oui, il y a échange de câlins, ça veut dire la demande est agréée. Et oui, je demande aux prometteurs et prometteuses. Oui. La dame doit se trouver à gauche, dame à gauche, future dame, pasteur à droite, pasteur, mettez-vous à droite. Oui, c'est à gauche, la dame doit se trouver à gauche. C'est après, on me dit c'est après. Il est pasteur en tout. Oui, oui, c'est après. On dirait qu'il n'a pas encore le droit de mettre. Mesdames, messieurs, c'est l'arrivée de celui et celle qui nous invite ici ce soir. Je ne vous ai pas demandé de vous mettre debout, mais ce n'est pas trop tard. Mettez-vous debout pour les accueillir, s'il vous plaît. Ce n'est pas trop tard. Allez, allez, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous sur vos pieds pour accueillir au moins l'arrivée. Ça marche. Et oui. Voilà. Et oui. Enfin, arrivé à l'église. La cérémonie est possible. Mettez-vous.
Aujourd'hui, on n'a pas ça. On a un garçon et une fille qui s'entendent pour regarder la vie de la même. Je voudrais vous dire que c'est une belle chose et je vous demande d'applaudir cette initiative. Allez-y. Votre applaudissement prépare M. Kensi Léon, Anne Jenny, excusez-moi, je cherche le nom, c'est Kensi Moïse Léon qui prend ma place pour prononcer les mots de bienvenue. Voyez-le. Bienvenue à tous. André et Fredly sont heureux de voir tous ici réunis pour partager leur joie en cette occasion très spéciale, très particulière dans leur vie. Aujourd'hui, leur relation est sur le point de prendre une autre dimension. Elle va changer, elle va être épanouie. Ce jour est un jour d'espoir, car André et Fredly vont confirmer leur engagement, leur dévouement et leur respect mutuel, ainsi que leur loyauté et leur amour. Vous tous ici réunis en cette occasion si spéciale, avez pour mission de partager vos mots d'encouragement et votre soutien à cet homme et à cette femme ici présents, qui vont être unis par les liens sacrés du mariage. L'art du mariage consiste en partie à faire une place d'honneur à la recherche spirituelle. Alors, chers mariés, n'abandonnez jamais votre quête commune en train de chercher la spiritualité de Dieu. L'art du mariage, c'est aussi de savoir s'adapter. Alors, cultivez la souplesse, la patience, la compréhension et le sens de l'humour. Je t'aime non seulement pour ce que tu es, mais également pour ce que je deviens lorsque je suis avec toi. Je t'aime non seulement pour ce que tu as fait de ta vie, mais pour ce que tu as fait de la mienne. Je t'aime parce que tes accomplissements, plus que n'importe quelle croyance, m'ont rendu bon, m'ont rendu heureux. Je t'aime parce que tu as accompli ce miracle sans un souffle, sans un geste, sans un mot, sans aucun. Waouh, l'amour c'est si beau. Tu l'as accompli en étant juste toi-même. Alors, je t'aime et je t'aime encore. Après tout, l'amour est peut-être le véritable amitié. Hein? Ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec joie, nous allons nous lever pour chanter les beaux vers du numéro 30 de nos hymnes et louanges. Encore une fois, bienvenue à tous. Merci. Je chante.
Notre lecture pour cet après-midi se trouve dans le livre des Psaumes, soit le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous vous couchez-vous tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Telles les flèches dans la main d'un guerrier, tels sont les fils du jeune âge. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. La parole du Seigneur est bénie. Vous êtes prêts de garder notre attitude de prière alors que nous autres nous invoquons le nom du Seigneur. Comment ne pas te bénir, ô Éternel, notre Dieu, notre Père, pour le privilège d'être tes enfants et de pouvoir nous réunir ici dans ton Saint-Temple en vue de participer à cette cérémonie nuptiale, devant unir tes enfants, Fredly et Andrel. Que toi-même tu interviennes par l'entremise de ton serviteur, le célébrant pasteur Jaounel. Que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom et que nous autres qui participons, nous puissions rendre témoignage après pour dire l'Éternel a visité tes enfants et il a été lui-même le célébrant principal. Interviens toi-même en notre faveur au nom de Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom, nous t'apprions. La musique tend à prendre beaucoup plus d'espace dans la vie de l'homme. Tout dépend de la musique qu'on écoute. On peut élever son âme vers Dieu ou autrement. Il y a des musiques qui font bouger le milieu, mais il y en a d'autres qui font battre la mesure au moyen des pieds ou en hochant la tête. La musique qui fait partie d'une cérémonie de ce calibre, c'est la musique qui peut nous aider à élever nos âmes vers Dieu. Pasteur et sa future femme se sont entendus pour inviter la voix des humbles artistes du cash à venir chanter pour aider à faire ce geste. Mais il y a aussi, juste après ce chant, il y a quelque chose de très à la mode maintenant. C'est une histoire de slammer. Je connais un slammeur dans la salle qui sait charmer son public. Et ce soir, il va nous conduire très loin dans le monde de l'amour, le monde que nous souhaitons voir. Un chant avec voix des humbles artistes du cash, suivi du slam de Stevenson et Vincent Aurelius. Écoutez.
Donc en ce jour que l'amour est le roi, mon rêve n'est plus dans le noir, l'amour est près de moi. Oh, chantons l'amour, oh, un son, donc en ce jour. Jesus.
source dans laquelle je puise mon bonheur. Autant dire que tu m'apportes la paix du cœur. Interminables sans toi sont les heures. Nul autre ne saurait égaler ta beauté, ma fleur. Te perdre est ma plus grande peur. Fusionnés, nous sommes des âmes sœurs. L'obéissance est naturelle face à une telle douceur, enivrante comme un liqueur. Une combattante, une reine, ma reine, reçois en ce jour qui est le tien tout mon amour, je t'aime. Mesdames et messieurs, bonsoir. En cet après-midi, je me donne pour mission d'être le porte-parole de Pasteur Fredley. Te me dire ça que t'es arrivé, l'aime t'es là, tête moins t'es viré. Ou bien doit pas croire, mais c'est vérité. C'est de mon amour pour toi l'essor. Mais dis-moi quel sera de cet amour le sort, parce que pour moi c'est du pur délire. Tu es celle que mon cœur a choisi d'élire. Dans tes yeux je trouve réconfort. La joie de lire, tu es ce que j'ai toujours imaginé, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, tu es une image innée. Dès la première fois, je t'ai vu, j'ai eu des clics, t'as même pas eu à faire de clics, j'étais déjà là prêt à faire de tes désirs des ordres, espérant que tu puisses mettre un peu d'ordre dans tout ce désordre. Permets-moi de t'approcher, permets-moi de te parler, permets-moi de te toucher, permets-moi de t'aimer, permets-moi de te faire rêver, permets-moi d'y croire. Ne me dis pas déjà au revoir, permets-moi de te revoir. Je veux te prouver que je suis un bon garçon. Est-ce pourquoi je te demande, t'as permis? Sien. Un s'est livré pour l'ikem te qui était prêt pour livrer. Permets-moi de me présenter, je suis slameur. D'habitude, c'est moi le charmeur. Mais cette fois, je suis charmé par la beauté incarnée. Un regard acharné qui n'avait pas d'autre mission que de me charbonné. Mais dis-moi, quel est ton nom? Et ne me dis surtout pas non. Je veux faire partie de ta vie. Et pour moi, c'est plus qu'une simple envie. Je te promets que je joue franc jeu. Parce que je sais ce qu'il y a en jeu. Permets-moi de t'approcher. Permets-moi de te parler. Permets-moi de te toucher. Et surtout, permets-moi de t'aimer. Permets-moi de te faire rêver. Permets-moi d'y croire. Ne me dis pas déjà au revoir. Permets-moi de te revoir. Je veux te prouver que je suis un bon garçon. Est-ce pourquoi je te demande, t'as permis, sien? Moi, t'as remé, on remé, même j'aime remé en l'an. D'habitude, je suis rapide, mais dans le cas ça, je suis obligé l'an. Parce que tant que tout ingénieur, dans la tête, moi, nous gagnons un bon plan. C'est pour ça que je suis allé à l'école, 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 je suis allé à l'école,
pour me tracer une route qui permet aux oreilles au côté qu'em me remet en ça ses décisions et m'a prêté ferme jusqu'à ce que au dit me remet tout et ça c'est plus gros cadeau à ca ferme. Merci. Définitivement, l'amour est une histoire à vivre et non à écrire. Mais pour vivre de cette histoire, il faut l'avoir entendue, il faut l'avoir écrite. Il y a quelqu'un dans la salle qui connaît l'histoire de la rencontre entre Fredly Dorsin et mademoiselle Henriquet Sandral. Il se propose de nous présenter un papier qui nous servira d'entrée en matière et les éléments qui nous préparent à venir ici aujourd'hui. Mais juste avant la présentation de ce papier de Maître Walner Dorsely, je voudrais préparer votre esprit avec l'écoute de la musique que nous apportera la chorale Crescendo. Crescendo nous préparera à savourer le papier de Maître Walner. Thank you.
Mesdames, Messieurs, futurs mariés, bonsoir. Avant de parler de l'histoire vraie de Fredly et d'Andrel, je tiens à lire cette définition philosophique du mariage. Qu'est-ce que le mariage d'après la philosophie? On dit que c'est la société conjugale qui crée librement un homme et une femme quand ils engagent leur foi en vue de fonder une famille et de s'assurer l'un à l'autre les bienfaits matériels et spirituels de la vie commune. Il est une société et non pas une simple association. Ce récit que je vais vous faire, c'est un récit vrai. D'origine placentine, Fredly Dolcin s'était entré au Cap-Haïtien en janvier 2008 pour entamer ses études universitaires en sciences économiques et sciences juridiques, respectivement à la faculté des droits et des sciences économiques du Cap-Haïtien. De manière parallèle à l'Université d'État d'Haïti, UEH, habité à Cité Chauvel, Ruelle Principe, il fréquentait l'église du Cash. À cette église, Mademoiselle Andrel Henriques, d'origine fort-dauphinoise, membre de la dite église, faisait partie de l'équipe de l'école du sabbat à l'époque. Suppléant un moniteur de l'école du sabbat, Andrel était allé prendre les rapports dans une classe où s'asseyait Fredly. Alors, ils ont eu leur premier contact en tant que monitrice, membre de l'ECOSA. Chef guide investi, Andrel prêtait ses services également à la direction de la jeunesse de l'église. Et comme Fredly et son grand frère Maurice Dolcin aimaient chanter des musiques hispanophones, ils s'amusaient à le faire plus fréquemment dans les dévotions et les réunions de jeunesse. Ils chantaient en espagnol. Déjà en 2009, Fredly et Andrel faisaient partie de l'unité Josias. Son génie de rédiger et de réciter des textes bien rimés montre le talent poétique de Fredly. Entre-temps, Andrel était déjà jardinière et secrétaire par vocation professionnelle. En mars 2012, ils participaient tous deux à la retraite organisée par l'église du Cash du côté de Grisongade. Toute cette période était pour eux de simples appréciations, sans aucun intérêt particulier, puisque Fredly avait une petite amie déjà, avec qui il planifiait sa vie. En juillet 2012, Andrel se rendit à Port-au-Prince pour entamer des études universitaires en sciences infirmières. Et c'était à l'université UNA de Dikini. En octobre de cette même année, elle est à Port-au-Prince. En 2014, soit en septembre, Fredly se rendit à la dite université pour des études théologiques. Il a bénéficié d'une bourse d'études après avoir gagné le concours de Boom Public organisé par l'Union des Adventistes d'Haïti. Un an plus tard, soit en 2015, l'amante de Fredly voulait se faire marier. Ce que Fredly lui-même
entend réaliser dans 3 mois plus tard. Soit après avoir terminé des études en 2018. Cette inconvenance a occasionné la rupture entre les deux. Frédéric, qui ne voulait pas rester seul, a décidé de faire la cour à une demoiselle en 2016. Cherchant des conseils auprès d'une jeune fille, il a été conseillé plutôt de faire volte-face envers Andrelle. En effet, Frédéric a dû mettre fin à cette nouvelle voie puisque la jeune fille à qui il faisait la cour ne voulait pas la relation. Quoiqu'il a toujours prié avant de s'engager dans toutes ses démarches, Frédéric a dû prier. Il a prié, il a continué par prier. Après avoir réfléchi sur les maigres souvenirs qu'il a eus à propos d'Andrelle, Frédéric a décidé de faire la cour à Andrelle. Comme ils étaient de plus près, sur le même campus universitaire, Frédéric s'intéressait à Andrelle d'une manière toute particulière dans leur amitié. N'ayant pu retenir ses sentiments, Frédéric les a déclarés à Andrelle en octobre 2016. Date à laquelle il s'était immatriculé pour le cours de mariage et famille qui allait prendre fin en mars 2017. Les dialogues ont dû durer un bon temps. Tous les 6 mois, s'étendant jusqu'à 2016, soit en mars 2017, plus tard, Frédéric recevait davantage de formations sur le mariage et la famille. Drôle de coïncidence, le professeur docteur Antonin Bastien a planifié un dîner spécial avec des étudiants pour mettre fin au cours le 19 mars 2017. En pleine participation à ce dîner, Frédéric a entendu sonner son téléphone. Ayant pris l'appel, c'était Mademoiselle Andrelle qui avait besoin de rencontrer son amoureux Frédéric. Celui-ci lui demandant de lui accorder quelques minutes pour se rencontrer à la fin du cours. Et c'était convenu. Du jardin de prière vers la barrière principale de Luna, Frédéric va la rencontrer plus tard. Andrelle, qui s'est fixée en face de la boulangerie adventiste, lors de cette rencontre, Andrelle a posé une question à Frédéric sur le cours qu'il vient de suivre. Alors, Andrelle a parlé de la sorte à Frédéric. Ça fait quelques mois que tu es en train de me courtiser. Je n'en peux plus. Et cela, je ne suis plus disposé pour des dialogues. Donc, c'est fermé entre nous, Frédéric. Une déclaration sévère. À regarder Andrelle fixement dans les yeux, Frédéric lui a demandé, « Mais chérie, pourquoi ?» Andrelle éclata de rire, puis elle donna à Frédéric la réponse que celui-ci a tant souhaité déjà. « Je suis d'accord. » Très satisfait de cette réponse, Frédéric accompagna son amante jusqu'à sa demeure. Ce qu'Andrelle n'avait pas accepté auparavant. Maintenant, petits amis qu'ils sont, Frédéric et Andrelle travaillent pour donner suite à cette relation. Ils font part de cette relation à leurs parents qui acceptent réciproquement le choix.
Ainsi, le dimanche 24 septembre 2017, Fredly avait emmené ses parents chez ceux d'Andrel pour des présentations. Les parents étaient d'avis à donner leurs conseils et leur soutien pour la bonne continuité de cette relation. Après cette nouvelle phase de la relation, beaucoup de difficultés surgissent dans la vie de ces deux. Grâce à Dieu, ils ont pu être gradués en 2014, soit novembre. Ils ont pu être gradués le 4 novembre 2018 avec la promotion baptisée Sénèque Edmond. Le dimanche 2 décembre 2018, les deux ont laissé la capitale pour retourner à Cap-Haïtien. Depuis son arrivée, Andrel a courageusement assisté sa mère, Madame Lérisson, regrettée mémoire, Henriques, malade jusqu'au jour de son décès, vendredi 28 décembre 2019, date à laquelle les funérailles de la défunte ont été chantées. On voulait planifier le mariage, mais les mots d'honneur donnés par la veuve n'avaient pas pu être respectés. En effet, dans leur relation, Fredly et Andrel ont dû tenir bon devant les épreuves. Un nouvel horizon apparaît quand Dieu lança un appel à Pasteur Fredly par le biais du comité de la manne le jeudi 25 février 2021. Durant l'entrevue avec l'administration de la manne, Pasteur Fredly a été conseillé d'attendre à la fin de son stage qui doit durer 2 ans pour convoler en juste noce. Le sabbat 6 mars 2021, Pasteur Fredly a été affecté au district de Bethléem pour commencer son stage avec Pasteur Bonané Jean-Claude, qui dirigea le dit district. Suite à l'entrevue avec la manne à propos de son appel, Fredly se faisait le devoir de former son amante et en discuter. D'abord avec Andrel, puis avec les parents de celle-ci. Il ne se mettait pas d'accord pour attendre 2 ans pour le mariage. De cette divergence de position, une rupture a eu lieu. Nouvellement affecté au district de Pilate en juillet 2021, il a été présenté le sabbat 18 août 2021, concordant avec le thème du quinquennat 2020-2025, Pasteur Fredly a décidé, moi, j'irai quoi que seul, disait-il. L'éventail des tâches à accomplir fait à Fredly penser toujours à une compagne. Un an plus tard, à Pilate, Fredly s'évestua sur la voie d'une jeune fille avec qui il entend établir une nouvelle relation. Quelques mois plus tard, la jeune fille a conseillé Fredly de reconsidérer sa relation antérieure avec Andrel. Quoique ce conseil surprend Fredly, il va quand même décider. Ainsi, Fredly a organisé pour cette fois une semaine de prière. Quel drame! Après les 3 premiers jours, une réponse lui était donnée. Il continua à prier. La même réponse venait encore. Et au 7e jour, il a consenti à la réponse qui lui a été donnée. Cette réponse
c'est de reconsidérer sa relation avec Andrel. En fait, chers amis, Fredly a envoyé ses parents chez ceux d'Andrel pour apporter la nouvelle de la réconsidération de la relation. Et Andrel et ses parents étaient d'avis. Rentré à Cap-Haïtien pour rallye en mois de mars 2023, Fredly allait rencontrer les parents d'Andrel qui renonçaient à la décision antérieure en cédant à la nouvelle. Ce même jour, Fredly se rendit chez la jeune fille pour mettre fin au dialogue orienté vers le choix qu'ils ont eu ensemble et la remercier pour son conseil. Enfin, une suite heureuse a été donnée à la relation avec Andrel. Et le 9 avril 2023, les deux parents, les dirigeants d'église et quelques amis participaient aux fiançailles. Donc, ce sont ces clauses de 9 avril 2023 qui nous rassemblent en cet après-midi. Nous sommes à concrétiser cet amour qu'a éprouvé Fredly pour Andrel et Andrel qui a partagé cette relation. Je leur souhaite bonne vie à deux. Merci. On a tellement perdu de temps, j'ai l'impression que le temps n'est plus aux mots, mais à l'action. C'est pour ça que je vais fermer la vanne de mes mots pour laisser à Fredly le temps de jouir de son petit temps. Madame Vanny, la trésorière au niveau de la Mission du Nord, fera la lecture. Bright Stars chantera pour introduire le secrétaire exécutif de la mission dans son homélie. Écoutez. L'Assemblée est priée de se lever pour entendre une deuxième lecture qui se fera dans le livre de Genèse. Et je vais lire pour vous dans Genèse chapitre 2, les versets 23 à 25. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Rasseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Bon Dieu,
Mesdames, Messieurs, les membres de la famille d'Olsen, Mesdames, Messieurs, membres de la famille Henriquez, Madame la marraine, Monsieur le parrain, collègues dans le Saint-Ministère, Mesdames, Messieurs, les invités, nous sommes réunis aujourd'hui sous le regard de Dieu en présence de ses témoins pour unir deux vies. Il faut dire que cette union formera le noyau d'un nouveau foyer dont Dieu veut faire un ciel en miniature sur cette terre. Le mariage, mesdames, messieurs, est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu accorde à l'homme. C'est le Créateur lui-même qui l'a institué. C'est Dieu qui donna Ève à Adam. Cette institution parvint à l'homme avec les senteurs embaumées du jardin d'Éden. Il faut dire, mesdames, messieurs, chers invités, futurs mariés, depuis l'entrée du mariage dans ce monde, l'homme s'est efforcé de trouver le bonheur dans l'union de deux êtres. Un mariage contracté dans la crainte de Dieu nous rappelle toujours la félicité du jardin d'Éden. Alors que, dans son amour, le Créateur, en parlant de l'homme, déclare, et je cite pour vous, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et dans Genèse, chapitre 2, le verset 24, la parole de Dieu continue, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce fut à un repas nuptial où des amis étaient dans la joie que le Sauveur de l'humanité accomplit son premier miracle et commença son ministère. La volonté de Jésus, chers futurs mariés, est que chaque foyer soit un foyer heureux à la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est essentiel pour vous, Fredly et Andrel, qui êtes ici présents, d'avoir l'attitude qui convient devant Dieu. Chers futurs mariés, il doit y avoir unité dans vos cœurs en ce qui concerne les desseins de Dieu à votre égard. Ainsi, vous éviterez les écueils qui menacent vos affections. À l'instar des noces de Cana, votre joie ne sera complète que lorsque le Seigneur Jésus viendra vous apporter
sa riche bénédiction dans le foyer. Bénédiction que nul autre ne saurait vous donner. Fredly, Andrel, Jésus doit être pour vous le premier et le dernier. Jésus doit être pour vous le meilleur en toutes choses dans la maison. Contemplez-le chaque jour. Contemplez-le jour après jour. Et votre amour pour lui deviendra toujours plus profond et plus fort. Consultez Dieu dans toutes les affaires de votre vie. Entretenez-vous toujours dans votre foyer la flamme. Oui, la flamme qui doit brûler sur l'autel familial. Il est essentiel, cher pasteur, collègue pasteur, Fredly Dolcin, il est essentiel pour vous de commencer, de finir la journée par la prière. À mesure que votre amour augmentera pour Dieu, votre amour pour votre épouse, l'amour d'Andrel pour vous, c'est comme pour dire que l'amour l'un pour l'autre deviendra plus profond et plus fort. Le mariage unit deux vies pour toujours. C'est une sainte alliance. La parole de Dieu déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme divorcera avec son père et sa mère. L'homme est l'apostrophe mis pour la femme et pour le garçon. L'homme divorcera avec son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que l'Éternel lui-même a uni. Le mariage n'est pas simplement une institution permise par les hommes. Il a été établi par Dieu et ses obligations, Fredly et Andrel, les obligations du mariage ne cessent qu'à la mort de l'un des conjoints. Fredly, Andrel, pour fonder un foyer aux résonances célestes, il faut une compréhension et un support mutuel. Chacun de vous, Fredly et Andrel, chacun de vous doit être à faire des réajustements avec le caractère et le tempérament de l'autre, juste pour éviter toute incompatibilité de caractère que l'on considère comme poison dans le mariage. Le véritable amour est plus qu'un tendre sentiment. C'est un principe stable. Il ne peut procéder que d'une confiance et d'une affection réciproque. Comme une jeune plante, le véritable amour a besoin d'être soigné, arrosé sans cesse, afin qu'il puisse croître et se développer. Fredly, Andrel, Fredly, m'a dit nous ça après-midi,
n'a commencé un voyage. Nous connaissons côté n'a commencé. Franchement, nous ne connaissons côté n'a privé. Nous ne connaissons combien de kilomètres nous allons parcourir ensemble. Commencement a toujours belle, l'a toujours doux, l'a toujours une chaleur, une ambiance, mais a grand pile fatigue au cours de la route. Route là, au milieu, pas tant qu'au commencement, les poils jonchés d'épines et de ronces. Et parfois, ou quand même jeune la boue, ou quand même jeune roche. Mais l'essentiel, je voulais pour me rappeler nous. Grand pilote qui t'a fait parcours ça déjà et a réussi à la gloire de Dieu. Souhaitons que nous persévérons dans le voyage ça. Par conséquent, chers futurs mariés, vous entrez aussi dans une école. André, c'est moi qui parle à vous, c'est moi pour garder. Fridlia Kandrel, n'a pas rentré dans l'école aujourd'hui. L'école la relève vie à deux. Nous allons apprendre en pile leçon dans l'école ça. N'a pas eu des professeurs que nous pas jamais ka fin compter yo. Et y a vini yon après l'autre seconde après seconde. Mais dans l'école ça, ou pas jamais sorti à con diplôme. Et vous devez apprendre toute notion que professeur yo apprend nous en dans l'école ça. En dans l'école là, vous y apprendrez la patience. Vous y apprendrez la patience, la bonté dans cette école. La générosité dans cette école, vous y apprendrez aussi le respect mutuel et l'amour. N'essayez pas de vous contraindre mutuellement, de faire votre propre volonté. Soyez bon André, soyez bon Fredly l'un envers l'autre. Soyez bon dans vos paroles. Et très persévérant dans vos bonnes actions. Pas dit dans vos actions. Il y a de bonnes actions, il y a de mauvaises actions. Mais soyez très persévérant dans vos bonnes actions. Veillez bien sur vos propos. Ne vous permettez pas d'élever la voix, ni une sous l'autre. Soyez doux dans cette école. Soyez patient dans cette école. Soyez indulgent dans cette école. Dans cette école, ayez toujours des gestes aimables l'un envers l'autre. Dans cette école, ayez toujours des regards affectueux, des expressions d'appréciation. C'est ainsi que vous cultiverez une saine admiration mutuelle. Laissez-moi vous dire, chers futurs mariés, dans le mariage fondé sur l'amour et le respect mutuel, ni l'un ni l'autre n'essayera jamais de dominer. Ni le mari, ni la femme ne profitera jamais de l'occasion pour acculer l'autre. Non, Fredly, vous devez aimer Andrel comme Christ a. Non, laissez Fredly répondre. Vous devez aimer Andrel comme Christ a aimé l'église. C'est ça, toujours dit sous chez l'église dans ma joie, vrai? Yes. Andrel, la Bible nous dit, vous devez respecter votre mari. Vous devez soumettre à votre mari.
Sarah savait appeler Abraham comment? Non, laissez André répondre, s'il vous plaît. Sarah savait appeler Abraham comment? Mon Seigneur. Mesdames, messieurs, chers futurs mariés, le mariage a pour but d'unir deux cœurs par les liens indissolubles. Je voulais que nous quimbions ça pour moi. C'est seul engagement ou pas prendre avec un délai, avec une durée. Rien ne doit s'interposer entre eux. Le mariage, c'est marcher dans la vie l'un à côté de l'autre. Le mariage, c'est partager la tristesse et le bonheur. Le mariage, c'est partager les déceptions et les moments de grande réjouissance. Le mariage, c'est partager le désespoir et l'espérance. Le mariage, Andrel, Bavlo dit c'est moi loin. Le mariage, Andrel, c'est partager la fatigue et le repos. Nous sommes fatigués, nous fatigués ensemble. Nous sommes reposés, nous reposer ensemble. Ainsi, vous témoignerez un véritable amour. Et vous, vous respecterez réciproquement, de sorte que votre foyer devienne un petit royaume où votre femme, Andrelle, sera la reine, où votre mari, Fredly, sera le roi. Très bien. En me basant sur la sainte parole de Dieu, je vous exhorte, Fredly et Andrelle, à vous souvenir que le mariage nous est recommandé par l'apôtre Paul comme étant honorable, comme une institution comment honorable. Chacun des époux dans cette alliance solennelle est requis par Dieu de garder inviolé, ses obligations sacrées aussi longtemps qu'il vivra. Chers futurs mariés, en posant les fondements de votre foyer, n'oubliez pas d'y dresser l'autel familial. N'oubliez pas d'y dresser l'autel familial. Où ensemble, jour après jour, vous offrirez vos prières au Seigneur. Yon foyer qui pague la prière, y tankou son caille qui pague toiture. La pluie tombée, tout le monde a mouillé, pas vrai? Serré tombé, tout le monde a grippé. Vent venté, tout le monde a grippé. Dresser l'autel familial. Tandis que je vais terminer. Mais quittez m'adresser en quelques secondes à ce Andrel. Gardez Fredly bien. Gardez-y bien. Me rappelez. L'ancien pasteur te dit Paul ça m'a jamais oublié. Pour un pasteur adventiste bien vivre, il a besoin de trois bagages, trois éléments. Ou pas le marier avec un collègue pasteur. Mesdames, vous avez dit la peine d'une femme, c'est pour toute femme, pas vrai? Eh bien, nous autres pasteurs adventistes, la peine d'un pasteur, c'est pour tout pasteur. Nous tous sensibles boulottes. Je me rappelle un ancien pasteur, t'as célébré le mariage, il t'a dit parole ça, il m'a répété le jeudi. Pour un pasteur adventiste capable, heureux dans son ministère, il a besoin de trois éléments.
une vie consacrée à Dieu, une vie de prière, pas vrai? Deuxièmement, avoir une femme vertueuse. Et troisièmement, une femme qui est sensible pour votre pasteur. Yon femme qui pa ba pasteur li manje son lougaou. Ba y fred li manje. So wè y pire meyan, ba y manje. Nèg plaisance manje, yo kon manje, yo manje en pile. Ba y fred li manje. Nous besoin fred li plein. Nous besoin pour figure y plein. Nous besoin après 3 mois pour fred li plein. Nous bon de voir ça. Ba y nous fred li plein. C'est pas li kap qui peut y bouillir Pilate encore pour tête. Ce n'est pas lui qui peut y boucaner encore. Fait plein pour nous à la gloire de Dieu. Que le bon Dieu, qui domine sur toutes choses, vous bénisse. Qu'il fasse luire sa lumière sur votre jeune foyer. Et qu'il vous comble de toutes ses bénédictions célestes. Dès ce soir, jusqu'à son retour glorieux. Ce sont les vœux de mon cœur pour vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci. Nous sommes arrivés à un moment décisif, moment au cours duquel les deux jeunes gens vont s'engager effectivement dans le mariage. Et les pasteurs officiants vont descendre. Et je vais leur passer le micro pour ce moment tant attendu. Merci, suivez ce qui va se passer. Merci, nous réclamons silence dans l'Assemblée. Merci. Si quelqu'un fait opposition à ce que Fredly Dolcin et André Henriques s'unissent légalement par le lien sacré du mariage, qu'il veuille bien le dire maintenant. Dans le cas contraire, qu'il se taise dorénavant. Pas d'objection, nous continuons. Fredly Dolcin, André Henriques, je vous conjure, l'un et l'autre, de dire, comme vous le ferez, au jour du jugement, quand les secrets des cœurs seront dévoilés, si vous connaissez Fredly Dolcin et André Henriques, si vous connaissez quelque cause ou quelque empêchement à votre union, car soyez assurés que si vous contractez mariage autrement que ne le permet la parole de Dieu ou les lois du pays, le Seigneur ne peut bénir votre union. Et la loi du pays ne la reconnaîtra pas.
Quelques secondes. Pas d'objection. Je peux avancer. Très bien. Maintenant, main droite dans la main droite. Ou après tirer gant. Non. André n'a pas besoin de rester parce que Lili, c'est un petit fleur qui est dans la main. Main droite dans la main droite. Fredly Dolcin. Andréel Henriquez, promettez-vous solennellement devant Dieu et en présence de ses témoins, vous, Fredly Dolcin, je m'adresse à vous maintenant, Fredly Dolcin, promettez-vous de prendre Andréel Henriquez comme épouse et de vivre avec elle dans les liens sacrés du mariage. Certainement, pasteur. Promettez-vous, Fredly Dolcin, d'aimer Andréel Henriquez, de l'honorer, d'en prendre soin dans la maladie comme dans la santé, dans la prospérité comme dans l'adversité, aussi longtemps que vous vivrez. La déclarez-vous, Fredly? Sûrement, pasteur. Je m'adresse maintenant à Andréel Henriquez. Andréel Henriquez, acceptez-vous de prendre Fredly Dolcin comme époux et de vivre avec lui dans les liens sacrés du mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer dans la maladie comme dans la santé, dans la prospérité comme dans l'adversité, aussi longtemps que vous vivrez. Le déclarez-vous, Andréel? Bien sûr, pasteur. Merci. Maintenant, nous demandons à l'Assemblée de nous retrouver debout, de nous rejoindre debout, s'il vous plaît. Fredly Dolcin, Andréel Henriquez, ayant décidé de s'unir par les liens sacrés du mariage devant Dieu et devant cette assemblée, et s'étant réciproquement promis fidélité et engagement l'un à l'autre, moi, pasteur Ronel Jean, pasteur consacré et assermenté. Moi, pasteur Verda Augustin, pasteur consacré et assermenté. Nous, ministre de l'Évangile, nous, pasteur consacré et assermenté, par l'autorité de la loi de notre pays et par l'autorité de l'Église adventiste, nous déclarons, Fredly Dolcin,
et André Henriquez, Marie et femme, que personne ne sépare point ce que l'Éternel lui-même a uni. Bonne vie à deux, que le Seigneur vous bénisse. Ô Éternel, notre Dieu, notre Créateur, comment ne pas te bénir pour la manifestation de ta grâce, la concrétisation de ton amour. Tu es grand et extraordinaire. Merci de l'opportunité de nous bénir. Merci de l'opportunité accordée à tes enfants, Fredly et André. Ils se sont vus, ils se sont rencontrés et ils ont pris la détermination de s'unir dans les doux liens sacrés du mariage. Que toute la gloire soit à toi. Ô Père, que tu interviennes toi-même dans cette vie de couple. Permets que tes enfants puissent être bénis dans tous les aspects de leur existence. Ô Père, accorde à tes enfants de pouvoir mettre au monde des enfants, et ceci selon ta sainte volonté. Que tu interviennes toi-même dans la vie familiale de ce couple et qu'il puisse être prospère à tous les points de vue. Nous comptons sur toi. Bénis le couple Fredly Dolcin. Toi-même oriente Dolcin, oriente André, qu'il soit entre tes mains comme de l'argent entre les mains du potier. Alors que nous sommes dans cette position genouflexion, nous voulons croire au Père que ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Veuille donc déverser tes bénédictions les plus exceptionnelles sur ce couple et que ton serviteur, Fredly, puisse se rendre compte que l'Éternel lui-même a visité son mariage. Nous comptons sur toi, bénis celui qui vient de présider ce mariage. Que tu continues par nous orienter et que tu donnes à ce couple de vivre pour l'éclatement de ta gloire. Permets que tes enfants puissent être prospères à travers le champ, partout où ils se présenteront en tant que couple, dans leur champ respectif, qu'ils soient prospères au point de vue spirituel, moral et intellectuel. Que ce couple soit exemplaire dans tous les domaines de la vie de ton Église. Et que nous autres, nous puissions nous rendre compte que l'Éternel lui-même habite ce mariage. Nous comptons sur toi, interviens toi-même dans la vie de cette famille. En Jésus, pour la gloire de ton son nom, nous t'en prions. Maintenant, signature de l'acte. Tout a été très bien et maintenant on passe à la signature de l'acte, là où les mariés vont apposer leur signature, les premiers témoins aussi, il y a les représentants des parents vont apposer leur signature au bas de l'acte et nous demandons à Pasteur Johnny de nous accompagner musicalement. Thank you.
les humbles artistes du cash pour un chant spécial avant la présentation du nouveau pont. VAC. VAC maintenant, juste avant la présentation du plus jeune couple de la planète. Debout. Nous demandons encore à l'assistance de bien vouloir nous retrouver debout, s'il vous plaît. Église Adventiste d'Haïti. Église Adventiste d'Haïti. Acte de mariage. Commune du Cap Haïtien. Église du Cache. Je sous-signe Ronel Jean, pasteur de l'Église Adventiste d'Haïti, pasteur assermenté, exerçant mon ministère dans la sudite circonscription, certifie qu'après les publications dûment faites, aucune opposition ne m'a été signifiée. Acte de mariage. Le citoyen Fredly Dolcin, profession pasteur, demeurant et domicilié à Cap-Haïtien, né à Plaisance, commune de Plaisance, âge majeur, fils légitime et majeur du citoyen Moïse Dolcin, profession cultivateur, demeurant et domicilié à Plaisance, et de la citoyenne Mélia Lormi, profession commerçante, domiciliée à Plaisance, stipulant pour lui et en son nom personnel d'une part. Et la citoyenne Andrelle Henriquez, profession institutrice, demeurant et domiciliée à Cap-Haïtien, née à Fort-Liberté, commune de Fort-Liberté, âge majeur, fille légitime et majeure. Personnel d'autre part, ayant répondu séparément et affirmativement en présence des témoins qualifiés et nommés ci-après à la question s'il consentait à se prendre pour époux Fredly Dolcin, Andrelle Henriquez ont été unis par les liens sacrés du mariage. Le jeudi 7 septembre 2023, à 5h30 PM, ont été témoins Samuel Gélin, profession pasteur, Emani Cherenfant, profession infirmière, l'épouse signée, les parents signés, les témoins signés. Maintenant, Pasteur Verda va présenter ce nouveau couple
à la grande famille adventiste de la Mission du Nord. Au nom du ministère de l'Association pastorale de la Mission du Nord, dont je suis le secrétaire, je tiens à présenter le nouveau couple pastoral à la Mission du Nord. Il s'agit de Monsieur et Madame Fredly Dodson. Autrefois, on savait dire André Henriques. Maintenant, il va falloir dire André Henriques Dodson ou Madame Fredly Dodson. C'est avec plaisir que nous vous présentons le couple le plus récent du monde, le couple Fredly Dodson. Nous demanderions à M. Fredly de bien vouloir dévoiler son épouse pour pouvoir la donner le premier baiser nuptial. Il s'avance comme un jeune gens. Il va pouvoir. Marcher pour y. Même si vous êtes frère Moïse là pour qui paye. Même si vous êtes maman là pour qui paye. Marcher pour y. Doucement. On va priver quand même. Pas trop pressé. Nous, pasteurs adventistes, nous allons presser. Mais on va priver quand même. Lentamente, mon garçon. Dame n'a pas tant de Fredly. Il est impatient. C'est seule chance, ça n'a pas bien pour nous. Mais montrez-nous comment ça va aller pour toujours. Fais un bon jeune gens. Pas bye Bobo Poule. Bye yon Bobo jeune gens. Bon gentleman, bon bagay. Yes. Marchez brun. Pas quitter y manger comme dim nan pou gamis. Marchez brun. Yes. Comme dim nan braille dou. Montrez comment ça va aller plus devant. Bobo tâché. Eh non, balance ça. Attention. Bobo. Caméra pour comprendre. Bobo. Marchez pour dame, non? Yes. Ne soyez pas timide. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je t'aime.
de tout mon cœur, ami. Je jure de t'aimer pour la vie. Au nom de toutes les familles de la mission des Adventistes du septième jour du nord d'Haïti, je tiens à souhaiter à Fredly et à Andrel le bonheur du monde. Alors, elle et moi sommes ravis de vous accueillir
dans la grande famille des couples mariés. Et nous espérons que vous allez jouir de l'amour, de la joie, ensemble. Félicitations pour votre mariage, messieurs, monsieur et madame. Et bonne vie à nous. Nous demanderions à Maître Luckner de bien vouloir nous rejoindre pour gagner du temps. Maître Luckner est prêt de bien vouloir nous rejoindre. Honorable témoin de cette cérémonie, chers nouveaux couples, mesdames, messieurs, à cette heure si spéciale, nous sommes parvenus à la fin de ce grand événement qu'est le mariage de monsieur et madame Freddy Dolcin. Les familles Dolcin et Henriques se joignent à moi pour remercier le Dieu du ciel qui a permis à ces deux jeunes de prendre cette noble et belle décision, question de s'unir dans le doux lien du mariage. Nous tenons à remercier les membres du grand cortège nuptial qui ont rehaussé l'éclat de cette fête. Merci au personnel siégeant, Maître Ronel Saint-Just, le maître de cérémonie de cette circonstance. Kensi Moïse Léon, celui qui a prononcé les mots de bienvenue. Merci aux responsables de l'association pastorale, en l'occurrence en pasteur Verda Augustin. Un remerciement spécial est adressé aux administrateurs de la mission Adventiste du 7e jour du Nord d'Haïti, Madame Vanille Soliman-Salvant, trésorière de la Manne, celle qui a fait la lecture méditative, et pasteur Jean Ronel, secrétaire exécutif de la Manne, l'officiant principal de cette cérémonie. Nous tenons aussi à remercier les collègues pasteurs qui sont dans l'Assemblée. Merci aux différents groupes chantants, la chorale crescendo de Lumni, la voix des humbles artistes de Lumni, Braistar. Merci à l'administration de cette église pour avoir laissé cet espace pour la réussite de ce programme. Merci à vous tous et à vous toutes, chers amis, pour votre présence et votre bienveillance. Les familles sont très heureuses d'avoir partagé cette journée exceptionnelle, riche de bonheur avec nous. Un grand merci pour vos attentions spéciales accordées à ces deux jeunes. Mille merci, le Seigneur en tiendra compte. Une annonce de la dernière heure. À partir de ce soir, les téléphones de M. et Mme Dolcin Fredley seront fermés, et cela jusqu'au mois de septembre. Juste avant d'attendre le numéro 434, nous demanderions au public et apparaît la bénédiction avec pasteur Moustaki Saint-Fleur. Puisqu'on va attendre le numéro 434, on aura la bénédiction avec pasteur Moustaki Saint-Fleur. Et immédiatement après, ce sont les siégeants qui auront à saluer d'abord le nouveau couple. Merci. Et après, vous aurez le temps de le faire. Nous nous mettons debout pour chanter une seule strophe au numéro 434. Attendons tous les participants au Collège Notre-Dame pour la réception. Merci. Quel bonheur d'être en famille,
d'être aimé, surtout d'aimer. Quel bonheur d'être en famille. Nous inclinons sensiblement pour la bénédiction. Que tu sois remercié, éternel notre Seigneur et notre Dieu, pour la grandiosité de cette cérémonie, pour avoir toi-même présidé la cérémonie nuptiale de tes enfants, Fridley. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour ta présence qui a été effective au milieu de nous. Et maintenant, nous avons terminé avec la première partie. Que tu puisses continuer à nous assister durant tous les restes de la cérémonie. Et avec ton garçon, avec ta servante, bénis-nous abondamment et de toutes sortes de bénédictions. Et maintenant, que ta paix et ta bénédiction soient sur chacun de nous. En Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Merci. Juste après les salutations d'usage, je voudrais inviter ce beau monde au Collège Notre-Dame pour une gentille réception. Merci d'avoir été des nôtres.